Merci. Je ne sais pas si c'est un défaut ou si c'est ma façon de penser fait que quand on me donne un livret sur lequel travailler d'opéra, là il se trouve que c'est un opéra contemporain, mais c'est de toujours avoir le réflexe de lier le livret et l'histoire que l'on me donne à l'histoire du monde, à une forme de géopolitique, de chercher à raconter l'histoire en regard de ma société et dans le monde dans lequel je vis. You know what? Here it was your first. Here it was very good. So it means that if you cannot see here, just those who can see me, look at me, and then the other follow the other. It was good. So it's not a problem of black or white. Okay, just look. O que nós vamos fazer agora é o ensaio geral com piano. Portanto, vamos, a menos que alguma coisa corra muito mal, não paramos. Agora não fazemos mais do que ser atores e cantores. Todos os anos, 16 jovens são levados para serem comidos por um minotauro num labirinto. E eu, como criança, eu sou o irmão de um desses que vai, pronto, que vai ser levado. Há um também jovem, que é um herói, que decide ir com eles para tentar salvá-los. On utilise toutes les générations dans des tableaux différents. Et chaque génération a sa façon de raconter l'histoire. Les enfants ont une vision très positive, ils imaginent tout de suite que leurs grands frères et leurs grandes sœurs vont rentrer un jour. Les adultes sont très pessimistes dans le livret, ils pensent qu'ils ne reviendront jamais. Les adolescents ont plus le côté un peu héroïque de se dire qu'ils peuvent gagner, donc ils peuvent vaincre le monstre. Donc en fait, dans la partition, déjà, on a différents. Un propos différent pour chaque génération. Après, le groupe est formé par toutes les générations à certains moments et porte le même message. C'est la complexité d'un projet, de dire à chaque personne « tu es importante », même si c'est le groupe au final et l'idée que porte le groupe qui est le plus important. A ópera foi justamente composta para ser feita por tanta gente. Foi encomendada como uma ópera comunitária. A estreia desta ópera foi em França com vários coros amadores, nem sequer era com coros de estudantes, eram coros amadores. E aqui a Gulbenkian resolveu contactar vários coros já existentes, vários deles de estudantes, sobretudo os de jovens, os das crianças, pronto, é um coro de crianças também já existente. Só os adultos é que vêm, sobretudo, de coros amadores, mas mesmo assim com coros com bastante qualidade. Sempre gostei muito de cantar, sempre gostei muito de ópera, sempre gostei muito de canto em si. E justamente num dos empregos em que eu estive havia um grupo coral. E eu entrei nesse grupo coral. Pronto, e a partir daí nunca mais parei. Cantar em cena, sem partitura, com movimentações, torna-se mais difícil. Mas é extremamente interessante, é um desafio que eu não podia dizer que não, claro. Aliás, achei imensa graça porque o Sérgio, quando falou, disse: bom, isto é um convite para as pessoas entre os 18 e os 80 anos. Eu disse: olha que sorte a minha, se fosse mais um ano já não podia entrar. Neste dia entrei. J'ai un gros problème, moi, quand je vois ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas d'âme. Ok, I think you have forgotten the main thing.
the soul. Vous chantez, mais vous oubliez ce que vous chantez. For example, you sing, you are the audience, look at me. Da-da-da-da-da. 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 What do you see? Nothing. Just somebody who turned the head on the right moment. You have to be more generous. In fact, you have the feeling that when you look at the mother, or when you look at Thésée, you just need to be open. I can look at her and offer my body to the audience. And it's really stronger. Je pense que de faire avec des Portugais, c'est un peuple assez, pour nous, pacifique. Donc ils ont plus de difficultés à incarner la violence ou d'être dans quelque chose de dur. Voilà. Si par contre, on leur demande d'aller chercher en eux des douleurs, des expériences personnelles qui racontent cette violence, alors là, on retrouve la même chose que, par exemple, quand on l'a fait en France. Mais en France, c'était plus facile de demander aux gens d'être en colère. Ici, c'est plus difficile. C'est la vraie différence. Aïlos, os filhos de Atena, a esperança de Atena, o futuro de Atena. Il n'y avait pas au départ dans le livret de parallélisme, mais comme tout le premier acte est écrit sur la traversée des Athéniens, des jeunes Athéniens en Crète, on a trouvé évident de faire le parallélisme avec les réfugiés qui traversent la Méditerranée, qui sont aussi des jeunes gens et qui traversent aussi une mer pour revenir un jour sur leur terre et améliorer la condition de vie de leur famille. Et ce mythe, pour nous, il est assez contemporain dans le sens où il est facile de relier l'histoire du mythe, puisqu'on parle de jeunes adolescents, à nos histoires d'aujourd'hui, parce que malheureusement, le monde ne change pas tant que ça. Aquilo que há de bom nesta obra, a esse respeito, digamos, é que, sendo uma obra que toca nesta realidade que é terrível, contribui para que nós não fiquemos indiferentes, porque a arte tem essa virtude. A arte, quando toca na realidade, impede-nos de ficarmos indiferentes a essa mesma realidade. Je ne sais pas si l'art est la meilleure forme de... pour transmettre des messages. Mais en tout cas, c'est celle que nous, en tant qu'artistes, nous avons, si nous faisons le choix de lier art et politique. Mais pour moi, l'art, c'est quelque chose de politique. Ça doit être quelque chose de politique. Sinon, l'art pour l'art ne m'intéresse pas trop.